à la AFLA, la deuxième AFLA de la QDO. Merci d'être avec nous. Je vous laisse le temps d'arriver. Aujourd'hui, on vous présente un AFLA avec 8 danseuses, avec toujours à la fin notre futur juge pour la compétition des RACS Québec 2020. On a des nouvelles là-dessus, fait que restez à l'écoute tout au long de la AFLA, puis vous allez avoir des nouvelles à propos du festival et aussi découvrir qui sera notre juge mystère artiste invité pour RACS Québec, comme je viens de le dire. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, tout d'abord, installez-vous, versez-vous un verre d'eau, un verre de vin, une petite bière parce qu'il fait soleil. Et puis, installez-vous. Le spectacle devrait durer un peu moins d'une heure, à moins qu'on ait bien des choses à dire et que le party pogne. Mais c'est ça. Fait que vous n'avez pas pour trop longtemps. J'espère que vous allez apprécier le spectacle. Et puis, on va commencer tout de suite avec... On commence tout de suite? Es-tu prête? La première danseuse, es-tu prête? Oh, elle a l'air d'être prête. OK, je vais lire la description. Je veux tout d'autre chose à dire. Ah oui, on est présentement à la deuxième édition, donc le AFLA 2. Et puis, on va faire un troisième, une troisième AFLA. Pas en juillet, parce qu'on présume qu'en juillet, tout le monde est en vacances, parti à l'extérieur. On devrait en faire une autre au mois d'août. La date, c'est le 15 août. Fait que si jamais ça vous tente de danser, vous pouvez penser à un petit numéro ou penser à réserver la date dans votre calendrier pour pouvoir regarder en direct et commenter les performances des danseuses. Cela dit, vous pouvez commenter à tout moment. Je gesticule. Vous pouvez commenter à tout moment. Vous pouvez dire « Wow! Bravo pour la performance! J'adore! Pouce en l'air! » Vous pouvez aussi poser des questions. C'est quoi la chanson? C'est quel style de danse? D'où ça vient? Ou peu importe. Puis on va vous répondre. Mais pas pendant qu'on danse. Peut-être quelques temps après que le vidéo, parce que le vidéo va rester en ligne pendant quelques temps, puis il va aussi être mis sur notre YouTube de la QDO. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, puis les danseuses vont peut-être pouvoir relire les questions, les commentaires à la suite pour pouvoir vous répondre. Pour commencer, vous pouvez me dire où est-ce que vous êtes en ce moment. Si vous êtes à Montréal, à Laval, à Québec. Ce soir, on a des danseuses de Montréal, on a des danseuses de Québec, on a des danseuses de Yula, la Rive-Sud, mais pas tout le monde est de Montréal, je vous check, puis je pense que tout le monde est de Montréal, Québec, deux de Québec, puis il y a les autres Montréal, puis j'ai Martina de la Rive-Sud. OK! Je pense que j'ai assez perdu de temps pour laisser le temps aux gens d'arriver sur notre super AFLA. Si jamais vous voulez partager le lien, chose que je vais faire en ce moment, vous pouvez partager le lien sur vos Facebook, comme ça il va y avoir plus de gens qui vont pouvoir voir le spectacle en même temps. Ça va attirer des visionnements. Et puis, c'est cela. On commence tout de suite avec la première participante. Je vais lire sa description pour lui laisser le temps de s'installer. Voici. Donc, Karen Julina, elle va nous danser un classique oriental égyptien. La chanson s'intitule Nagua. C'est par Ali Hamouda. Je m'amuse à mettre trop de H à pleine place. La chanson lui rappelle son enfance, ses débuts en danse orientale dans les années 90. Elle n'avait que 11 ans à cette époque. C'est un petit bébé qui danse. Elle regardait les belles madames danser et leurs mouvements appris dans les ateliers de Lala Hakim. Enfin, bref, elle les admirait, ça la faisait rêver. Aujourd'hui, c'est elle, Karine la madame, qui va danser sur la chanson pour rendre hommage à toutes les pionnières de la danse orientale au Québec. Merci beaucoup. Merci! Merci beaucoup! Et voici Karine! Yay! Thank you.
bravo Karine, t'étais super belle. Maintenant, vous voyez que c'est pas Isaac qui anime. Mais pourquoi? Quelle grande question existentielle. C'est parce que c'est elle qui va nous faire l'honneur de danser sur la chanson « Yam Safaire ». Et elle est très, 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 très heureuse aujourd'hui de rendre hommage à son amie Sonia Otis et de porter cette magnifique belle robe rouge que vous allez voir que Sonia lui a prêtée. Alors, sur ce, je vous laisse à Isa Hassan. وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني تبعد عني وتشغلني تبعد عني وتشغلني خايف 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 للغربة تحلالك والبعد غير أحوالك خليني دايما دايما على بالك خليني
يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني Bravo Isa! Une performance qui est inspirée du challenge, du Courtney Challenge. Et si je me rappelle bien, parce que là je vais de mémoire, si je me rappelle bien, dans ce challenge-là, il y avait une petite saveur flamenco que je pense qui t'a inspiré pour ta performance. Encore bravo! Je continue pour vous parler de RAX Québec 2020. Donc, c'est pas une surprise, hein? On sait en ce moment. On ne sait pas trop ce qui va arriver avec l'avenir pour nos événements. On est un peu les derniers auxquels le gouvernement pense. Donc, on a déjà pris la décision de remettre en 2021 le festival. Il sera quand même à Québec. On s'est dit que même si on attendait en août et que ce serait possible, est-ce que les troupes vont pouvoir pratiquer ensemble? Ou est-ce que ça va devenir une compétition solo? Ou en tout cas, tu sais, il y a tellement de choses... qui sont incertaines, une possible deuxième vague. On a cru bon que ce serait la bonne décision à prendre. Puis, en même temps, on va en profiter pour prendre soin de d'autres projets qui, avec lesquels on a de la difficulté à mettre du temps parce qu'on met beaucoup de temps sur le festival. Donc, entre autres, vous avez peut-être vu des choses passer dernièrement pour les professionnels, mais on est en train de travailler sur le répertoire de pas et de mouvement, donc la nomenclature, terminologie, pour le mettre un peu plus à jour et puis continuer le travail qui avait été fait par le passé. Fait que ça, c'est notre gros projet actuellement qui va nous prendre du temps. Alors, sur ce, je repasse la parole à Isa-san pour la suite de la AFLA. Tout soufflé. Enfin, bref, c'était ça, hein, être mis en épingle quand que, en vedette, quand t'es pas prête. OK. Bon. Prochaine candidate. Merci, en passant Sonia, ta robe est super confortable. J'ai bien sué dedans. Tu veux aller la porter au nettoyeur? En tous les cas. Prochaine danseuse, c'est Martina. Martine Jeté. Martina présente une chorégraphie de la magnifique Irina Akulinku de New York, avec quelques adaptations parce que Martina oublie souvent ses chorégraphies quand elle a trop de plaisir. On aime ça, avoir du plaisir, je fais pareil. Maintenant, vous savez pourquoi elle se spécialise en improvisation. Et pour les amateurs d'ISG, improvisation synchronisée de groupe, le niveau 7 est Up and Running, guillemets, vous pouvez commencer votre apprentissage sur le Patreon de Martina. Et là, j'ai un lien ici que vous ne pouvez pas avoir. C'est sur patreon.com/, parce qu'on est en erreur en tout cas, Martina. Ben, vous allez pouvoir aller avoir accès à ses formations sur le Patreon avec une donation, un paiement quelconque. On l'a pas dit. On peut apprendre à distance. Bon, pour la AFLA d'aujourd'hui, elle est ravie de partager ce moment avec nous, plus que jamais, parce que nous avons besoin des uns des autres pour passer à travers ce moment historique de confinement. Merci à l'ACDO pour cette occasion et merci pour le support. Savourons la créativité, apprécions les artistes grâce aux arts. Apprécions les artistes, virgule, grâce aux arts, nous avons de la couleur dans notre vie. J'ai réussi à passer à travers. Voilà, sans plus tarder, apprécions le numéro de Martina. Yay! Thank you.
Mon micro était éteint. Yeah, yeah. Yeah, bravo Martina. Oui, il y en a qui ont gigoté. Moi, j'étais comme ça tout à l'heure. Marquer les rythmes avec les mains. C'est vraiment le fun. Merci, merci, merci Martina. Ouais, c'est quand tu souhaites des consommes de place. Merci Martina. On va l'avoir. Bravo. J'aimais ça aussi, le vert. C'est comme plus indien comme costume. C'est beau. OK, j'ai fermé mon téléphone, mais j'en ai besoin pour pouvoir lire la description de notre prochaine danseuse pour la AFLA d'aujourd'hui. Laissez-moi retrouver le petit texte. Le voici. Claudie, Claudia, Kalida. On la connaît sous différents noms. Moi, j'appelle Claudie, donc Claudia, donc Kalida. Donc, cette femme dansera une chorégraphie inspirée d'un atelier avec Aziza, avec des bouts de création et d'improvisation. Kalida, Claudie, Claudia, est une danseuse de la région de Montréal passionnée par la danse, dont, mais de toutes les danses, c'est ça, dont la danse orientale et les danses latines. Elle fait partie de plusieurs compagnies, dont Alalem pour la danse orientale et les Audrey's Angels, mais je n'arrive pas à retrouver le nom. Je vois Latin Yansa. Je m'excuse, je ne vois pas si j'ai mis un I ou un L. Oh! Donc, Audrey's Angels, anciennement peut-être, et aussi Arabesque Dream Company à Toronto. Elle performe au Québec et en Ontario. Elle enseigne à Montréal. Elle est très reconnaissante pour l'AFLA pour avoir fait cet événement aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, sans ma lecture pas très cohérente, voici Claudie, Claudia. Yay!
Yes! C'est drôle, on dirait que j'ai plus de tâches à faire, mais ça va. Bravo, Claudie! Avez-vous vu le kick? Kick, puis après ça, split. Moi, j'étais bien impressionnée. Bravo, Claudie! C'était le fun à regarder. Puis, il y avait même un petit décor de plantes, des petites fleurs sur le côté. Ah, c'est cute! OK. Oui, c'est ça, je voulais mentionner. Cette fois-ci, on est un petit peu plus en équipe pour le travail de diffusion du AFLA. Puis, c'est ça, pour s'adapter, parce que d'habitude, quand on change d'autres ou d'autres trucs comme ça, bien, j'ai un message qui apparaît à ma fenêtre pour me dire c'est maintenant moi qui ai la parole. Puis là, il n'y a plus le petit message, donc je ne sais jamais quand est-ce que c'est moi qui parle ou pas moi. Fait que bref, là, on est en équipe un peu aujourd'hui. J'ai Sandra qui s'occupe des caméras. Moi, je fais la musique. Puis, il y a aussi Donia qui a fait l'animatrice, le temps d'eux. Et puis, Marilyn qui a fait l'affiche pour la AFLA, la belle affiche rose. Donc, merci à toute l'équipe de la CUDEO de travailler en équipe pour faire des événements qu'on aime tous pour la communauté. Donc, êtes-vous prêtes? Prêts? Tout le monde? À la maison pour notre prochain... Oh, j'ai vendu le coup! Notre prochain danseur! C'est Pierre! Pierre Coury! Yeah! Donc, je vais vous lire le petit texte que Pierre m'a envoyé. Petit texte. Genre, j'ai sa bio. Je sais quand il est né. Qu'est-ce qu'il mangeait pour déjeuner? Non, c'est pas vrai. Je vais aller chercher son petit texte. Et je vais essayer de faire un résumé. OK, Pierre Coury, danseur et chorégraphe d'origine syrienne, reconnu pour la sensibilité de son interprétation, son charisme et son arabitude. J'y vais pour un bout de bio. Pierre Coury, je l'ai déjà dit, il se spécialise en classique, danse orientale, rakcharki. Rakcharki, ma prof d'arabe, elle ne serait pas fière de moi. Folklore libanais, d'Abké, puis aussi derviche, pour ceux qui ont déjà vu Pierre faire le derviche, c'est comme... c'était vraiment débile. J'essaie de me souvenir du nom de la toune. Mawashtinien. Peut-être. En tout cas, c'était vraiment à couper le souffle. Donc, Pierre continue sa passion en travaillant comme coach et chorégraphe avec un regard particulier justement sur l'interprétation des paroles arabes, d'où l'arabitude. Et c'est ça, de transposer la signification dans le mouvement. Il est également enseignant en psychologie à l'Université de Montréal. Il utilise ce background-là pour transmettre aussi son enseignement et mieux coacher les danseuses avec qui il travaille. Il me semble que j'avais un autre texte à lire. Bon, c'était plus court que je pensais finalement. Yeah! So, tout d'un coup, je switch en anglais. On accueille Pierre! Yeah!
Wow, j'ai vraiment trop de boutons à peser, j'en prends note. le fait d'avoir des applaudissements, wow, c'est trop pour moi. Bravo, Pierre! Yeah! Bravo, bravo, bravo! Moi, j'aime bien que tu portes du gold, c'est comme the golden god. Et moi, je t'appelle le sweet Jesus, fait qu'on dirait que ça s'entremêle. Puis en plus, il y avait le lampadaire, le chandelier qui faisait des petits halo gold. Fait que là, quand Pierre dansait dedans, ça faisait comme ouh! Il y avait son halo juste pour lui. Bravo Pierre, merci beaucoup. Ça fait du bien de voir des hommes danser. Fait que, appel à tous. Si ça vous tente de vous mettre à danser, ça serait une bonne idée. À tous les hommes, je parle, mais c'est autant bon pour les femmes. Donc, prochaine danseuse, prochaine participante, je vous la présente, c'est Lisa Champagne. Lisa saute d'un style à l'autre et expérimente depuis plus d'une dizaine. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait avec ma phrase? Lisa saute d'un style à l'autre et expérimente depuis plus d'une dizaine d'années, je vais finir par l'avoir. Elle a commencé son parcours avec Martina, justement, en ISG, et fait maintenant partie de la troupe de ITS à l'aide. ITS à l'aide. Elle dit ça en anglais? ITS ou en français? Je pense que c'est français. ITS à l'aide. Mais le mot à l'aide est en anglais. Voilà, j'ai l'en parenthèse après. Improv Team Sync. Version Un Matin. Co-fondatrice du festival Momentum, donc c'est un festival qui est aussi soutenu en partenariat avec la QDO. On fait souvent des échanges de partenariat, puis c'est un beau festival, le Fusion, qui se passe à Montréal. Elle affectionne particulièrement mélanger la manipulation. Ok, je m'en vais par là-bas, je vais aller me verser un verre de vin, puis après je reviens, je suis sûre que mes phrases vont aller mieux après. Donc, je reprends. Elle affectionne particulièrement mélanger la manipulation d'objets à la danse. Yay! Des props! Voici une improvisation structurée en danse fusion avec une épée. Moi, j'aime ça, les épées. On applaudit. Oh non, on n'applaudit pas. On accueille Lisa. Yay! Oh, elle a les yeux cachés. Thank you.
qui swingent des riffs à coups de pelle. On était sur Binder, oh, oh, à Bob et Sarah Well. Bravo Lisa, on aime ça les props, puis c'était vraiment smooth, j'ai bien aimé l'introduction. Et puis une chanson francophone, as-tu compris ça? Il me semble que j'ai entendu ça. Et puis, je vous présente mon nouveau props. J'ai du talent, hein? Ça sent bien. Fusion, kalimba, ça va arriver. voici pour aller mieux. Maintenant, mes phrases vont être impeccables, je le jure. Non, je le jure pas. Oh. Santé! Et puis là, je vous présente notre projet, oh merde, ça n'a pas fait effet. Il faut laisser le temps faire de l'effet. Et notre prochaine danseuse, c'est notre présidente de l'association, c'est Donia. Je vais aller chercher son petit texte. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas dire Donia normalement. Il faut toujours que je fasse Donia. Pauvre elle, maintenant, je vais toujours dire son nom comme ça. Donc, Donia souhaite partager avec vous une de ses chansons préférées qui a marqué ses débuts en danse orientale, Wanamali. Pouvant être traduit directement en français, oui, traduit en français par Pourquoi m'en soucier, en anglais Why should I care? C'est une chanson qui parle d'amour très puissant où l'amour est l'un des amants. Est critiqué par les autres, le jugement du monde extérieur, mais ne laissons pas les autres gâcher cet amour qui est si beau. Préparez-vous à être ému. Pression, Donia. je vous présente Donia. Bonne danse! Thank you.
شمسي وطلع علينا من فرح الدنيا بينا من شهدها بتسقينا وبكره مستنينا ناسيا هنا ناسيا ايام كانت ناسيا ناسياها معاك يا عيوني فاكرني بخاف لومولي ميلوم وطمونا مالي طمونا مالي وانا مالي وانا مالي مالي sa face et lui donner des becs. Elle est tellement cute. Tu as juste envie de faire un câlin, non? Je suis folle. Ah, elle m'a donné un bec dans la caméra. Je l'ai vu. Wow, merci, Donia. C'était vraiment beau. Ah, oh, puis des becs, plein de becs. Oui, c'est attendrissant. Puis justement, on peut jouer avec ça vu que c'est une caméra. On peut faire des s'approcher, se reculer pour connecter avec les gens. Puis je trouve qu'elle l'a bien utilisé. Merci. C'est ça. Montre-nous tes fossiles. Ah, je voulais mentionner ça aussi. J'ai fait la grève. Moi, j'ai fait la grève des fossiles, la grève des ongles, même pas de brassière de danse. Party! J'ai fait mes essais. Oh, ça, on le sait pas. Ça, on le sait pas. Ça suffit les niaiseries. Je vous présente notre prochaine invitée. Notre prochaine invitée, c'est déjà la dernière participante de la soirée. C'est notre juge mystère. C'est notre juge invité pour RACS-Québec 2021. Parce que comme Donia l'a annoncé tantôt, le festival RACS-Québec va être reporté à 2021 en octobre, puis on espère, à date sur une bonne lancée, que tous les juges qu'on avait cette année vont pouvoir être les juges encore l'année prochaine. Donc, on vous dévoile aujourd'hui notre deuxième juge. Lors de la première AFLA, on avait dévoilé Ashley. Et là, aujourd'hui, on vous présente France. France, elle s'appelle Soraya. Son nom de danseuse, c'était Soraya. Et puis, vous la connaissez peut-être grâce à ce livre. Je ne me souviens pas quand est-ce que je l'ai acheté, mais il me semble que je dansais au Mogador à cette époque-là, puis j'étais en train d'attendre mon tour pour danser, puis j'ai vu que ce livre-là traînait sur une des tables du Mogador. Le Mogador avait comme une bibliothèque avec plein de livres, c'est le Mogador. Elle avait une bibliothèque avec des livres. Ah, je parle au passé. Elle a une bibliothèque avec des livres. Et puis, il y avait ce livre-là, puis je me suis mis à le feuilleter, puis je vais voyons donc, je ne suis pas au courant de tout ça, moi. Fait que j'ai contacté France pour pouvoir acheter ma copie. Je l'ai vue, je pense, dans une semaine. C'est vraiment intéressant. Ça raconte vraiment comme le parcours, son parcours à elle, puis un peu l'ambiance qu'il y avait dans les années 70, 80, 90 pour la danse à Montréal. Donc, ça, c'est son livre. France est belle. Et puis, vous pouvez la contacter pour pouvoir vous acheter votre propre copie et le garder dans votre bibliothèque en souvenir de, ben, dans, comme des archives, hein, parce que c'est une biographie, puis c'est
toujours bon de savoir de où on vient, la danse orientale, ici à Montréal. Donc, aujourd'hui, pour la AFLA, France nous a préparé un petit numéro. Donc, quoi de mieux qu'un bon daqué pour mettre du pep dans cette époque de confinement? Je suis bien d'accord. Donc, France, danseuse qui s'appelait Soraya dans les années 80, elle vous présente Habibi Hali. On accueille France. Si c'était la première fois, la voici! حبيبي قال لي هلاقي قال لي وقال لي هلاقي حبيبي قال لي هلاقي طب قال لي وقال لي هلاقي قال لي ايه قال لي ايه قال لي ايه هو قال لي ايه ايه قال لك قال لك ايه قال لي حبني على مالك ده انا اخر العنقود
On est contente de découvrir France. Yay! Les jambes. Avez-vous remarqué que je vois des sagates aussi? Elle avait des cymbales de doigts. Elle avait les cymbales. J'ai échappé mon cahier tellement que j'étais « wow! » Je vais reprendre mon cahier. Oui, la cape. J'ai pris des notes. La cape au début. Après ça, allô, bonjour, les jambes. Et puis, les sagates. En tout cas, puis le petit bec. Oh, merci pour le petit bec. C'est vraiment agréable de découvrir des danseuses comme ça. Puis, ça reste gravé dans nos têtes. Fait que merci beaucoup pour cette danse, France. On est content de t'avoir au festival. C'est dommage que ça ne soit pas cette année. Il va falloir attendre jusqu'en 2021 avant de pouvoir se voir puis danser ensemble. Parce qu'habituellement, avec le RAX Québec, on a aussi des AFLA où on va pouvoir peut-être se voir en personne et danser ensemble. Je me rassoyais comme il faut. Et puis, quoi d'autre, j'avais à vous dire? C'est pas mal ça qui concluait le spectacle aujourd'hui. Ouvrez toutes vos caméras, chers danseurs. Pierre, t'es où? Ouvre ta caméra! Parce que là, c'est le moment où on va danser ensemble. Donc, c'est la fin du spectacle. On vous remercie d'avoir été là avec nous. On va mettre une petite chanson pour le plaisir. On va tous danser ensemble en vue, en mode galerie. Et puis, bien sûr, vu que Pierre vient de la Syrie et puis que France nous a fait un genre de une influence libanaise d'apké, bien là, on va faire un d'apké syrien. Donc, à vos places, tout le monde, levez-vous, enlevez vos galabelles.